Suzanne, j'arrive. Suzanne, approche, prends ma main. Prends ma main. Plus près, viens. Prends-la. Je peux pas. Allez. J'y arrive pas. Allez, prends l'effort. Allez. Viens. Ne panique pas. Suzanne. Suzanne! Ça va? Il y a quelque chose là-dedans! Je le sens! Je dois me tirer! Suzanne! Suzanne! Le radeau. Pensez que ceci vous intéresserait. Il faut en référer à la présidente. Le seul moyen de la joindre, c'est le canal prioritaire. Ça ne va pas lui faire plaisir. Oh, j'en suis conscient, d'autant qu'elle est pour une fois avec son mari. Mais ceci ne peut attendre. Que dois-je lui dire? Dites-lui qu'on a reçu un appel de détresse d'une capsule de survie en mer et que le SOS vient de nous parvenir. Le SOS? Un objet volant habité serait donc tombé du ciel? J'ignorais que nous avions une mission spatiale en orbite. C'est là le hic. On n'en a aucune. Ce n'est pas une défaillance de votre téléviseur. N'essayez donc pas de régler l'image. Nous maîtrisons à présent toute retransmission. Nous contrôlons les horizontales et les verticales. Nous pouvons vous noyer sous un millier de chaînes, ou dilater une simple image jusqu'à lui donner la clarté du cristal et même au-delà. Nous pouvons modeler votre vision et lui fournir tout ce que votre imagination peut concevoir. Nous contrôlerons tout ce que vous allez voir et entendre. Partagerons les angoisses et les mystères qui gisent dans les plus profonds abysses, au-delà du réel. Avec l'évolution des technologies, les moyens de communication sont devenus incroyablement sophistiqués.
Mais ces moyens seront-ils suffisants pour combler les fossés qui nous séparent les uns des autres? Ou auront-ils pour conséquence de les creuser davantage? Mes élèves commencent enfin à apprécier l'étude des mollusques. Du moins, pas seulement pour leur caractère comestible. Indépendamment de ça, je me demande ce qui peut les intéresser. Leur pénis colossal? Ça va de soi. Où avais-je la tête? Après avoir découvert qu'un clam était doté d'un organe sexuel représentant la moitié de la taille de son corps, un inévitable débat s'est ouvert. C'est tellement important, la taille du sexe. Aux yeux des clams, je pense que oui. Un bon sujet pour un papier. Je devrais l'écrire. Ce qui m'arrête, c'est que tu n'aurais pas le temps de le lire. C'est une remarque assez déloyale. Tu sais très bien que je suis débordée depuis qu'on m'a nommée présidente. Oh oui, chérie, je sais que tu n'as plus un moment à toi. Et à propos de papier, le sénateur O'Reilly s'est encore manifesté dans la tribune de ce matin par ses invectives habituelles contre notre agence. Mauvaise gestion, perspective inexistante et j'en passe. Mmh. Il monopolise les journaux en me prenant pour cible. Il m'attaque sur l'ensemble de mes actions. Excuse-moi, mais ça devient pénible. O'Reilly passe à l'attaque parce qu'il va ramasser un bid aux urnes. Évincer les États-Unis du programme est une idée absurde. Sauf pour faire parler de lui. Et les Européens s'interrogent. Les Français envisagent déjà de mener leur action personnelle et ils sont en conflit avec les Anglais concernant cette base lunaire qui n'aurait pas dû être montée. Et je me demande parfois pourquoi je m'obstine. Et moi aussi. À propos de cette agence du diable... J'ai dit de ne passer que les messages d'urgence. Désolée. Et moi, non. Je rends hommage à la marine. Santé à tous. J'espère vous revoir. Enfin, Raymond, comment la presse a-t-elle pu l'apprendre? Par le même canal que nous. L'appel qui nous est parvenu n'était pas codé. Le message venait d'une boîte C. Une boîte C? Un dispositif radio qui équipait les capsules Vega. Mais ces capsules ont été abandonnées il y a 20 ans quand Vega 4 a disparu. Exact, docteur. Disparu dans l'espace lunaire avec la dernière boîte C manquante. Sait-on qui a envoyé le signal? Le lieutenant Christopher Lindy. Chris Lindy? Enfin, comment cela est-il possible? Docteur Tillman, il vaudrait mieux venir avec moi. Il est tard et pour des raisons de sécurité, vous devriez rester à la base. On vous a déjà fait préparer une chambre. Croyez-vous que ce soit nécessaire? Nous sommes face à une procédure d'urgence et les prochaines heures vont être critiques. Je vous en prie. S'il vous plaît, docteur. Nous allons le ramener. Il faut savoir ce qu'il a fait au cours de ces 20 dernières années. Je comprends, mais nous avons quelques difficultés à localiser le signal. Pourquoi ça? Problème de réception, dû à la boîte ou aux dommages qu'elle a pu supporter. Mais le signal semble parvenir de partout et de nulle part à la fois. La marine est déjà prévenue, mais... Je vois surgir un autre problème. Un bon travail, continuez. Sénateur O'Reilly? Madame la Présidente, j'ai décidé de passer puisque j'étais tout près d'ici. Trop aimable. Je me réjouis de vous offrir l'occasion d'observer un groupe de gens talentueux dans leurs activités. Et de voir l'usage des deniers de l'État. Qu'il en ait fait bon usage. Si vous pouvez le ramener. Mais nous le ramènerons. Difficile si vous ignorez où il se trouve. Nous finirons par le savoir. Je l'espère. J'ai prévenu la défense. Nos forces militaires seront engagées dans l'opération de secours. Il ne s'agit pas du tout d'une opération militaire. Mais l'armée paie les factures ici.
Aussi, nous aimerions le secourir nous-mêmes. Je ne veux pas risquer la vie du lieutenant pour vos ambitions électorales. Puisqu'il n'est pas en danger, pourquoi ne pas nous laisser le récupérer? On l'a localisé, finalement. Excellent, j'envoie l'armée immédiatement. Je doute que ce soit aussi simple, sénateur. Pourquoi? L'origine de l'appel est inhabituelle. C'est-à-dire? Il n'a pas été émis sur la Terre. Mais alors, d'où a-t-il pu émettre? C'est la zone J5A6 d'un segment spatial, située au-dessus de la surface lunaire. Cette photo a été prise il y a 25 ans par un télescope orbital, dans le cadre d'une opération de cartographie. Et comme vous le constatez, il n'y a rien à voir d'extraordinaire. Cette autre a été prise presque 5 ans plus tard, juste avant que Vega 4 n'entre dans la zone. D'après les archives, ce n'était qu'un vol de routine. Oui, c'était exactement ça. On les avait envoyés réparer ce même télescope qui avait pris ces photos, et ils étaient à peine à une heure de là-bas quand on a perdu le contact radio. Je suis sûr que le SOS s'est émis de ce brouillard. Sans doute. Et cette photo a été prise il y a quelques heures. Un puits gravitationnel? On dirait. Un puits gravitationnel dans notre espace local? Pourquoi ne l'avait-on jamais vu? Il est de petite dimension et dans une région où nous avons peu d'activité. Sans le signal de Lindy, il serait passé inaperçu. Mais par ailleurs, il semble que ces puits s'ouvrent et se referment comme une porte. Une porte? Et qui de nous? C'est un couloir à travers l'espace-temps vers une autre dimension. Proche de nous, ou plus précisément proche de la Lune. Quand la porte reste ouverte, l'espace infini se confond avec l'espace visible. Mais le passage entre les deux provoque une distorsion du temps qui explique que nous recevions seulement maintenant l'appel de Vega 4. Comment cela? Nous sommes dans l'espace-temps relativiste. 20 ans chez nous peuvent représenter 20 minutes pour le lieutenant de Lindy. Il est possible qu'il soit à des années-lumière d'ici. Il faut trouver un moyen de le ramener. Comment espérez-vous y réussir? En envoyant un signal vers le lieu d'émission. S'il a pu émettre, il est probable qu'il peut recevoir. On va réactiver une vieille boîte C pour établir un contact entre les deux unités. Et à supposer qu'on réussisse? On lui dira qu'une mission viendra le sauver. Vous plaisantez? Nos objectifs prévoient d'envoyer des hommes dans l'espace, mais également de les ramener. Oui, bien entendu, mais... Selon vous, cette porte va rester ouverte combien de temps? Oui, évidemment, c'est bien ce que je craignais. Qu'est-ce que c'est que ça?
There's a somebody I'm longing to see. I hope that he turns out to be someone who watched over me. Il est à peine 6 heures. Qu'est-ce qui se passe? J'ai fait un cauchemar. Je vais prendre un peu l'air. C'est à cause de Lindy? Il faudrait confier cette affaire à un autre. Il n'y a personne d'autre. C'est ma responsabilité et mon devoir. Tu es trop directement concerné. Allez, rendors-toi. Je sais pourquoi aucune femme ne veut vous épouser. C'est parce que vous avez trop bonne mine le matin. Bon, c'est le matin déjà. En effet, c'est difficile à savoir ici. Ouais. Pas de nouvelles? On l'a eu par radio et ça va. La ligne est brouillée, mais on peut quand même lui parler. Depuis quand vous l'avez? 20 minutes, je venais vous prévenir. Si vous vous obstinez à vouloir le ramener, N'insistez pas, c'est exactement mon intention. Vous avez une objection? Nous ignorons les faits sur les autres au passage du couloir. Nous ignorons à quel moment il va se refermer. Et à mon avis, avant d'en savoir plus, une mission de secours présente un risque énorme. Votre avis sera consigné, professeur. Mais c'est moi qui décide. C'est à vous qu'il souhaite parler. Qu'est-ce que vous lui avez dit? Rien du tout. Apparemment, il ne sait pas encore que 20 ans ont passé. Oui, je suis là. Mais j'ignore où je suis. Ah, tu sais, ça fait du bien d'entendre ta voix. Tu me manques beaucoup. Tu me manques aussi. Votre leitmotiv, c'est qu'il est impossible de le récupérer. Et hier, vous disiez qu'il était impossible d'envoyer un homme hors du système solaire. Sénateur, nous analysons chacune des options. Le monde entier vous observe, colonel. Chaque humain de cette planète est branché sur la fréquence de communication avec Lindy. Il ne s'agit pas de le repêcher dans le Pacifique. Il nous faut du temps. Il faudra vous en passer. Vous avez entendu son dernier message? Il est seul et terrorisé. Et je refuse d'admettre qu'un de nos concitoyens puisse servir de nourriture à une méduse. Il n'a pas dit que c'était une méduse, il a dit que ça ressemblait à une méduse. Ça vous plairait de nager avec ça? Ça suffit. Sénateur, nous voulons le sauver au moins autant que vous. Nancy, la logistique dans ce type d'opération est inexistante. Croyez bien que j'en suis consciente. Mais on doit pourtant agir et je veux savoir comment. Tout de suite. Bien. On peut faire un essai. Depuis la Lune. Envoyer une équipe de géologues, vous croyez que c'est ça la solution? Non, les Français disposent d'une base de légionnaires là-bas, à temps fixe, et d'une navette Hésiode, que votre administration leur a livrée, sénateur. À notre grand regret aujourd'hui.
Elle est plus fiable que les Vega. Le SOS la téléguidera, si bien sûr les Français nous autorisent à nous en servir. Je peux leur demander l'autorisation. Alors, sauf votre respect, sénateur, il faudrait vous hâter. Notre créneau est étroit. Le puits peut se refermer rapidement. Nous n'avons plus une minute à perdre. Il faudra prévoir aussi un nécessaire de survie. Si on ne peut pas le ramener, au moins il aura ça. Je vais désigner Georges pour la liaison avec la Lune. La navette Hésiode est sans doute sophistiquée. Cependant, elle n'est pas conçue pour se poser sur l'eau. J'en suis tout à fait sûr. Mais elle est conçue de façon à pouvoir atterrir sur n'importe quelle surface solide. Si Lindy atteint un rivage, alors on pourra l'embarquer. Et s'il peut échapper à son poursuivant? Mais d'après ce que je sais, nous n'avons aucune expérience concernant cette chose qui pourchasse son radeau. Rien d'intéressant? Pas vraiment. Même vieille nouvelle. J'ai besoin que tu m'aides. Dans ton domaine, tu es le meilleur, et il me faut le meilleur. Je ferai ce que tu voudras. Pourquoi ce baiser? Je t'aime. Je compte sur toi pour le ramener. On est voisins, il vaut mieux se présenter. Le lancement est prévu depuis la Lune dans moins d'une heure. Que chacun reste à son poste. L'Hésiode est désormais sous contrôle de l'agence. Le gouvernement français lui en a confié l'utilisation pour l'opération. Bienvenue dans la jungle, professeur. Merci. Vous savez, votre ouvrage sur les invertébrés était inscrit à mon programme de doctorat. C'est drôle. Mes condoléances. J'en ferai part également à Lindy. Ça fait partie des documents télétransmis grâce à la vieille boîte C. Il lui faudra 10 vies pour en venir à bout. On a pensé que ça lui serait utile. Vous pouvez me parler de cette créature? C'est lui qui va vous en parler. Docteur Tillman? Oui. Heureux de vous entendre. Vous êtes une sommité, m'a dit Nancy. À mon avis, elle est trop indulgente. Lieutenant, selon vous, cette chose serait apparentée à une espèce voisine des méduses. Est-ce que vous pouvez être plus précis? C'est translucide et en forme de parapluie. D'apparence invertébrée? Tout à fait. Avec des tentacules qui sortent par en dessous. Et à peu près de quelle taille? 3 à 4 mètres. Je reprendrai contact plus tard, lieutenant. Entendu. À en juger par leur taille, je dirais que ces tentacules n'ont pas été conçus pour la chasse d'un gibier aussi dérisoire que l'homme, mais pour des proies plus conséquentes. Le radeau? Exactement. Cette créature peut renoncer à Lindy si elle croit que le radeau est un repas plus copieux. Greg, tu n'es pas sérieux. Nous n'avons pas le choix. Mais ce que tu suggères, c'est qu'il quitte son radeau. J'envisage cette solution. Enfin, Greg, tu songerais à l'envoyer se perdre au milieu des abysses avec cette chose. Faute de quoi, il sera mort longtemps avant que la navette de secours ne le récupère sur un rivage. Il ne sait même pas s'il existe un rivage. Mieux vaut affronter l'inconnu, c'est moins dangereux que cette bête. Tu penses qu'il pourrait nager sans que cet animal ne l'attaque? Je ne suis sûr de rien. Mais entre deux mots, il faut choisir le moindre. Pas question que j'abandonne le radeau. Je risque de rester longtemps ici. Pas si nous intervenons. Vous venez me récupérer? On a prévu un vaisseau dans ce but. Sous réserve que vous arriviez sur une côte. Plus facile à dire qu'à faire. Je
Je vais tenter de repousser ma bestiole. Jusqu'ici, ça va. Il est toujours vivant. Ils en mettent du temps pour arriver. L'Hésiode vient d'envoyer un message. Ils ont des problèmes. La navette, qui la pilote? Guy Leclerc. Un de vos amis? Oui, un type bien et qui n'appellerait pas sans raison. La liaison est codée? Bien entendu. Passez-le-moi. Commandant Leclerc, vous avez la présidente sur les ondes. Je vous salue, commandant. Vous captez toujours la balise du lieutenant? À peine, madame la présidente. Parce qu'on traverse une zone de turbulence. Je ne sais pas comment Vega avait pu la franchir. Nos systèmes de navigation sont déréglés et le vaisseau résiste mal au tourbillon. Il semblerait que ce puits projette un flux gravitationnel. Êtes-vous loin du but? À quelques minutes de vol. Il change de forme. Gardez l'écoute, commandant. Le trou se referme. Il est à la limite de l'implosion. Je conseille de décrocher. Ils sont tout prêts. Et même s'ils arrivent à traverser, ils ne sont pas sûrs d'approcher Lindy. Ils captent sa balise. Pour l'instant, mais le trou change de forme pour devenir complètement différent de ce qu'avait connu Vega et il risque d'avaler Hésiode. Je refuse de renoncer au sauvetage. Il y a 12 personnes à bord de la navette. Qui ont accepté les risques en toute connaissance de cause. Lindy les avait acceptés aussi sur Vega 4. C'est le prix à payer pour l'exploration spatiale, mais sa dette n'est pas remboursable par l'équipage de l'Hésiode. Commandant, est-ce que vous pouvez maintenir votre position? Difficilement, mais je vais essayer.
Attendez mes instructions. Pourquoi devrait-il attendre, alors qu'il est à deux pas de l'objectif? C'est un enjeu colossal, sénateur. J'en suis parfaitement conscient. Nous avons envoyé l'humanité dans les étoiles. Songez aux connaissances que Lindy peut en rapporter. Si vous le sortez de là, le monde entier approuvera vos recherches spatiales. Et si vous livrez ce combat depuis si longtemps, c'est pour ça. Vous aurez même droit à mon appui. Mais si vous préférez renoncer tout de suite au succès, sans faire un minimum d'efforts, je n'aurai pas à vous descendre en flammes dans les jours à venir. L'opinion publique s'en chargera à ma place. Rappelez le commandant qu'il s'approche au plus près sans courir le risque d'être aspiré. Qu'il soit prêt à l'action d'un moment à l'autre. Impossible. Ne donnez pas cet ordre, c'est un suicide. Votre avis est consigné, professeur. Je m'efforcerai d'y réfléchir. Les gens ne savent pas jouir de la nature. Ils n'ont encore rien compris à ses vertus thérapeutiques. Je devrais écrire un ouvrage sur le sujet. Ce serait sans doute plus enthousiasmant que de mesurer la longueur des bivalves. Ou même la vie des autres. Des hommes et des femmes de l'Hésiode. Je me suis dit que je devrais apprendre à les connaître avant de les expédier dans un monde dont on ne revient pas forcément. Qui sont ces gens ? Des enfants. Rien que des enfants. Ils ont tous l'air merveilleusement jeunes. Comme l'était Chris avant son envol. Il était tellement impatient d'abandonner le monde derrière lui. Et sans doute de m'abandonner. Tu crois ? Je n'en sais rien, pas forcément, mais c'est ce que je me disais à l'époque. Que ferais-tu si tu pouvais remonter le temps ? Je serais sûrement toujours sur cette plage, à le regarder partir en le maudissant de m'avoir délaissé pour rejoindre les étoiles. Ça paraissait si facile pour lui. Et ça me faisait si mal. J'avais cherché à comprendre. J'essayais. Mais à son regard, je voyais qu'il était déjà parti. Et que je n'appartenais plus qu'à son passé. Je pense que pour lui, la contrainte de te sacrifier a dû être pénible aussi. C'est une sorte de besoin ou d'intoxication de repousser les frontières de l'inconnu, de découvrir de nouveaux mondes. C'est quelque chose de profondément enraciné en nous, cette exigence d'un face-à-face avec Dieu. Tu as l'air de l'envier. Il est dans un ailleurs qu'on ne connaît pas. Il voit des choses qu'on ose à peine imaginer. En me rendant tous les jours à mon labo, il m'arrive de percevoir, quand j'ai de la chance, une lueur fugace de cet ailleurs. En vous deux, j'étais loin de soupçonner une telle analogie. Peut-être. Mais avec une grande différence. Je n'aurais renoncé à toi pour rien au monde. Colonel, où est-elle passée ? Je suis là, sénateur. Et je connais nos impératifs. Alors donnez vos ordres pendant qu'il est encore temps. Lindy nous signale qu'il a atteint la côte. Mais la porte se referme à toute allure. Je lui ai décrit la situation, il est maintenant parfaitement au courant du risque. Vous entendez ? Il faut agir. Et agir rapidement.
commandant. Est-ce que vous avez pu déterminer ses coordonnées? Approximativement, on est dévié par les tourbillons. Dois-je poursuivre? Allez-y. Non, ça n'en vaut pas la peine. J'ai déjà perdu mon équipage, je ne veux pas en perdre un autre. Pas pour sauver un seul homme. Je préfère rester là. Un moment, lieutenant. Ne l'écoutez pas, il n'a aucune idée de ce qu'il dit. Si, au contraire. Et il a raison. Larguez les éléments de survie. On annule la mission. Allô, commandant? Madame? Soyez précis. Il paraît douteux qu'on puisse lui faire parvenir avant longtemps de quoi subsister. Comptez sur moi, madame la présidente. Le largage atteindra sa destination. Merci, commandant. Fin de transmission. Qu'allez-vous lui dire? La vérité. Vingt ans, tu dis? C'est fou. Je n'ai pas vu ces 20 ans. Où est-il passé ce temps, Nancy? Où a-t-il disparu? Je voudrais aussi le savoir. Il est dans l'espace. Le destin m'a posé juste à l'endroit que je m'étais fixé. Mais en plus... J'ai eu de la chance. La chance de pouvoir t'atteindre de l'autre bout de la galaxie. J'ai eu la chance de pouvoir traverser le temps et l'espace pour t'entendre à nouveau. Te dire adieu pour l'éternité cette fois. Tant un souvenir de nous que je n'oublierai jamais. Les distances qui nous séparent, si lointaines et si proches à la fois, peuvent être aisément réduites, non pas par nos actes, mais par nos sentiments. Won't you tell him please to put on some speed?